First, prepare a scenario of events in the order of their Premièrement, absolute occurrence. Préparez un scénario des événements dans l'ordre de leur déroulement. Then, prepare a scenario of events in the order of narration. Deuxièmement, préparez un scénario des événements dans l'ordre de leur narration. Think about it. Réfléchissez. Take your time. Prenez votre temps. Interpolate or delete incidents at will. Changez d'idée autant que Don't nécessaire. Ever be bound by the original conception. Ne soyez jamais esclave de l'idée originale. Weird tales. Il y a deux sortes d'histoires d'épouvante. Celles dans lesquelles la terreur est liée à un phénomène quelconque et celles dans lesquelles elle est liée aux actions de personnages ayant un rapport avec cette condition ou ce phénomène. Quelle est la vitesse de l'action tandis qu'elle s'insinue dans le récit en profitant d'une coupure d'électricité? Le personnage, c'est-à-dire vous, sent la chose s'approcher. Mettons que depuis très longtemps, il entend et contemple des choses à travers les murs et les espaces vides. C'est facilité par la vétusté de l'immeuble. On entend les voisins dormir. L'action se glisse furtivement. Quelle forme va-t-elle prendre? Une forme que personne, pas même le personnage, ne peut deviner encore à travers la porte. L'action est maintenant juste derrière la porte. Aucune information ne filtre encore sur sa nature exacte. Mais tous ces mystères sont des leurs. Qu'est-ce qu'ils croyaient tous? Que vous alliez ouvrir? Que vous seriez intéressé par un contact? Mais vous, vous savez faire le mort, comme on dit. Afin que le point culminant soit pleinement efficace, il est parfois judicieux de commencer par en mettre un sur pied dans tous ses détails, puis de bâtir une histoire qui en sera la justification. Le personnage, vous, dans un autre décor. Une voix vous parle, elle dit, chaque jour compte. Pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt? La voix dit, c'est comme certaines fleurs, comme ces plantes qui poussent de 2 ou 3 mètres en quelques semaines. Ce qui vous arrive ressemble beaucoup à cela. Pensez-y, battons-nous, nous sommes à vos côtés. Vous vous mettez à y penser car vous êtes docile et imaginatif. Et aussi parce que les fleurs n'ont pas de secret pour vous. Volubilis, croissance rapide, floraison abondante, idéale pour décorer treillage, pergolas et enfance solitaire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, métastase? Je ne désire pas continuer. Voilà ce que vous pensez. Mais ça, vous ne le dites pas. Liste d'éléments horrifiants fondamentaux. La vie et la mort. La mort, son horreur et sa désolation. Espace vide, fond marin, ville morte. Mais la vie, une horreur encore plus grande. Le personnage principal, Howard Phillips Lovecraft, né le 20 août 1890 à Providence, près de Boston. Des cascades de boucles blondes, une amie de la famille vous appelle le rayon de soleil. La mère, Sarah Susan Lovecraft, née Phillips. Sarah est extraordinairement douée pour la peinture. Toutes les filles Phillips sont douées. Il n'y a que des filles du côté Phillips. Père, Winfield Scott Lovecraft, voyageur de commerce, jamais à la maison. Il est retenu à Philadelphie lorsque son fils fait ses premiers pas et mort et enterré lorsque l'enfant fait part à son institutrice de quelques-unes de ses pensées. Elle porte sur le vide essentiel de toutes les conventions qu'il y a entre les êtres humains. Il n'a que 12 ans. On ne peut pas dire que ça vous emballe, le monde, la vie. Vous préféreriez être ailleurs. Ou ailleurs.
C'est ce qu'on appelle un mauvais départ. Plus tard, vous direz, j'essayais de m'intéresser aux affaires des autres garçons et je réussis, jusqu'à un certain point. Vos affaires à vous, ce sont les livres. Après la mort de votre père, vous emménagez chez votre grand-père Phillips. C'est lui qui vous fait lire Anne Radcliffe, Horace Walpole, tous les gothiques anglais, des histoires à dormir debout, comme on dit, et qui font tout votre bonheur, un monde à part, qui devient votre monde à vous. Des châteaux hantés, des abbayes en ruine, des labyrinthes obscurs qui ne conduisent jamais nulle part, des moines lubriques, criminels, des femmes enlevées par des bandits italiens, des femmes enfermées dans des geôles inondées de fange et de vermine, des femmes humiliées et souillées par des brutes sans visage, torturées par des remords inexpiables, et des voix chuchotantes, des nuits sans fin traversées par la foudre, des jours noirs pesant dangereusement sur des silences dilatés, des crimes, des têtes coupées qui parlent, des femmes folles pour finir. Des rêves. C'est là que se forme votre goût, votre dédain du réalisme. C'est là aussi, peut-être, que vous choisissez de vivre dans le passé. Chez les Phillips, le temps ne passe pas. Le grand-père Phillips vous raconte l'antiquité grecque et romaine. Il a voyagé. Il vous raconte Pompéi. Un nuage incandescent et de la lave surgit des entrailles de la terre. Une ville entière enterrée vivante. Vous entendez cela. Vous ne laissez jamais passer un mot inconnu sans en rechercher le sens dans un dictionnaire. Vous lisez de la poésie, vous retenez tout très facilement. On vous entend dire des vers dans le silence de la maison d'Angel Street. Vous vous mettez à écrire à l'âge de 8 ans. Votre première histoire raconte un crime, l'histoire de deux frères jumeaux. L'un des deux assassine l'autre. Après le meurtre, il vivra tantôt sa vie, tantôt celle de son frère mort. C'est inventé tout cela, bien entendu. C'est de l'invention pure, puisque vous, vous êtes enfant unique. On peut inventer beaucoup de choses. La vie réelle n'a aucun intérêt. C'est dans les œuvres de Poe que vous apprenez votre métier de raconteur d'histoire. C'est là que vous apprenez comment il faut commencer un récit. En force. C'est comme ça que, bien avant la maturité, vous ferez commencer Dagon en 1917. I am writing this under an appreciable mental strain, since by tonight I shall be no more. C'est dans un état bien particulier que j'écris ces mots, puisque cette nuit je ne serai plus. Je vais sauter par la fenêtre, me jeter dans cette rue sordide. Il ne faudrait pourtant pas croire que la morphine dont je suis devenu l'esclave ait fait de moi un être faible ou dégénéré. Lorsque vous aurez lu ces quelques pages hâtivement griffonnées, vous ne vous étonnerez pas, encore que vous ne puissiez jamais le comprendre parfaitement, que je me trouve devant cette unique alternative, l'oubli ou la mort. L'attaque en force, c'est ça. C'est jeter le lecteur au milieu de l'action. Sans préparation, sans avertissement. Commencer par le pire. Le pire a toujours déjà eu lieu quand vos histoires commencent. Tout était là depuis toujours. C'est la même chose dans la vie d'ailleurs. Les choses importantes n'arrivent pas. Elles sont là depuis toujours. Vous savez ça maintenant. Vous, vous aviez tout le temps de contempler les choses que les autres garçons ne voyaient pas. D'entendre s'approcher des choses que personne d'autre n'entendait. Vous entendiez d'autant mieux qu'il fallait se taire. On vous disait, ton père se repose. La maison Phillips est dans ce qu'on appelle un beau quartier, au 454 Angel Street, à Providence, dans le Rhode Island.
votre milieu d'origine, c'est la bourgeoisie. WASP est l'expression qu'on utilise pour définir ce milieu. Cela signifie blanc, anglo-saxon et puritain. Non, protestant. These things you saw when your nurse first wheeled you out in the springtime. Vous avez vu ces lieux, quand pour la première fois votre nourrice vous sortit au printemps dans votre poussette, et ce seront les derniers lieux que vous verrez avec les yeux de la mémoire et de l'amour. Providence, curieuse et majestueuse sur ces sept collines au-dessus du port bleu. Providence avec ses terrasses de gazon s'élevant jusqu'au clocher et jusqu'aux citadelles d'une antiquité toujours vivante. Ce n'est pas au-delà des mers ignorées, mais dans votre passé bien connu que vous devez poursuivre votre quête. Dans un retour aux illuminations de l'enfance et aux visions inondées de soleil et de magie que les vieux paysages apportaient à de jeunes yeux grands ouverts. Les racines de la famille sont en Angleterre, dans le Lincolnshire. Un jour, on vous entend dire... Vraiment, je devrais porter une perruque poudrée et des culottes courtes. Votre monde à vous, c'est le vieux monde. Et le vieux monde d'autrefois, c'est le XVIIIe siècle et la glorieuse poésie de Pope. Ces choses si lointaines dans l'espace et dans le temps vous plongent dans des rêveries inépuisables. Au 454 Angel Street, le temps ne passe pas. Il est retenu prisonnier dans les clochers de Providence et dans les histoires que vous raconte le grand-père Phillips. Toujours les mêmes. Un jour, surgissant des profondeurs de la terre, une nuée ardente et puis un nuage de cendres jettent les ténèbres sur une ville entière, transformant subitement le jour en nuit et la vie en mort. Ou bien l'histoire du maître de la forêt rouge. C'était un ogre. Il capturait les voyageurs égarés et les interrogeait. « À quoi tenez-vous le plus ?» demandait le maître de la forêt. Il rouait de coups tous ceux qui ne savaient pas répondre à ces questions. La plupart en mouraient. « À la dernière branche, » répondit un jour un petit garçon. Il avait dit ça comme ça, par épuisement, par panique, ou parce qu'il regardait la voûte des arbres au-dessus de sa tête, et brusquement, les coups avaient cessé. Mais vous avez beau ne faire aucun bruit, ne pas sortir du jardin. Pour finir, le temps se faufile partout et il se met à passer. Un jour, les coups de sifflet apportés par le vent cessent d'annoncer le départ de votre père pour un nouveau voyage et signifient que désormais, il ne partira plus. À la sortie de l'enfance, il vous arrive une chose étrange et malheureuse. Cela s'appelle effondrement nerveux. Vous en parlerez un jour, en 1920. Le temps impitoyable avait laissé tomber sur moi sa griffe féroce, et j'avais 17 ans. L'âge adulte, c'est l'enfer. Et maintenant, vous êtes adulte. Quand on pensera à Lovecraft, c'est à ce long visage lunaire qu'on pensera. Vous restez enfermé, au lit, vous traînez en robe de chambre. On ne sait pas très bien à quoi vous occupez vos journées. À rien, si ça se trouve. Vous n'écrivez même pas. À votre âge, on a généralement la sensation d'avoir la vie devant soi. C'est un peu angoissant, mais c'est enivrant aussi. Vous, vous sentez que ça n'ira pas. Vous sentez bien que quelque chose va arriver, mais que, quand ça arrivera, c'est vous qui n'y arriverez pas. Liste d'éléments horrifiants fondamentaux, utilement mis en œuvre dans un récit d'épouvante. Être enterré vivant. Entendre s'approcher quelque chose. Toute marche irrésistible et mystérieuse vers un destin. Vous dites... La peur est la première et la plus puissante des émotions humaines, et la première des peurs, la plus puissante de toutes, est la peur de l'inconnu.
En attendant, il faut bien vivre, comme on dit. Il faudrait sortir, rencontrer des gens, des inconnus, leur parler. C'est pénible. Alors le courrier. Correspondre avec des inconnus, ça, c'est possible. Et même agréable, un rapport sans contact. Vous écrivez des centaines de lettres des journées entières. Vos correspondants sont les membres de l'association de journalisme amateur, l'UAPA. C'est un mouvement très actif dans les années 20. Une organisation qui donne aux écrivains isolés les moyens d'être imprimés et lus. Ce sont vos correspondants qui vous encouragent à envoyer vos textes aux éditeurs. Et vous avez envoyé les manuscrits, même pas dactylographiés et sales et froissés. C'est tout vous. Vous les accompagnez d'une lettre adressée au directeur de Weird Tales. 6 juin, 5 nouvelles écrites entre 1917 et 1923. Les deux premières sont probablement les meilleures. Si elles ne vous convenaient pas, inutile par conséquent de lire les autres. Le seul lecteur dont je tienne compte, c'est moi-même. Si par quelque miracle vous envisagiez de publier mes comptes, je n'ai qu'une condition à vous soumettre, qu'on n'y fasse aucune coupure. Parmi les manuscrits, il y a celui de Dagon. Dans Dagon, vous mettez une des phobies qui ne vous lâcheront jamais. La mer, les choses de la mer. Les abysses et la vie ignoble qui s'y développe à l'abri de la lumière. Dagon, c'est peut-être la suite de l'histoire de Pompéi que vous racontait votre grand-père Philips. Mais c'est une exhumation au lieu d'un ensevelissement. Un tremblement de terre vient de ramener les fonds sous-marins à la surface et vous, le naufragé, vous abordez ce nouveau continent inconnu. Soudain, mon attention fut attirée par un objet immense et singulier qui se dressait sur la pente opposée, à 100 yards de moi. Un objet blanc qui brillait sous les rayons de la lune. Il s'agissait tout simplement d'un immense bloc de pierre, mais je sentis qu'il n'était pas une œuvre de la nature. Soudain, je vis la chose. Dans un léger remous au-dessus des eaux troubles, elle émergea. D'un aspect répugnant, d'une taille aussi imposante que celle de Polyphème, ce gigantesque monstre de cauchemar s'élança rapidement sur le monolithe, l'étreignit de ses grands bras couverts d'écailles, tandis qu'il inclinait sa tête hideuse en proférant une sorte d'incantation. C'est la nuit, quand la lune gibbeuse décline, que je vois la chose. Souvent, je me suis demandé si tout cela, au fond, n'était pas un simple fantasme, le résultat d'un accès de fièvre. J'ai beau mettre en doute ces horribles souvenirs, cette vision me poursuit sans trêve. La fin est proche. J'entends un bruit à ma porte. Comme si un gigantesque corps rampant s'était glissé jusque chez moi. Il ne me trouvera pas. Mon Dieu, cette main. God, that hand. Et le miracle a lieu. Vos textes sont pris dans Weird Tales. C'est une puissante invitation à espérer. C'est comme à la fin de Vampire, lorsque les brumes et les cauchemars se dissipent à la fin d'une nuit trop longue. Si ça se trouve, c'est aussi simple que ça, la vie, et agréable. Si ça se trouve, vous faisiez du mauvais sang pour rien. Vous n'aimez pas aller vers les gens, mais les gens viennent vers vous. Vos collègues du journalisme amateur reconnaissent et admirent votre talent. Vous devenez vite leur maître, sans cesser d'être leur ami. Vous lisez leurs histoires, vous les conseillez. Vous n'êtes avare ni de votre temps, ni de vos idées. Est-ce que c'est pour ça que Sonia Green se met à vous aimer? Vous vous êtes rencontrés à un congrès de l'association de journalisme amateur. C'est elle qui a tout fait. C'est elle qui vous a invité au restaurant. C'est elle qui vous a embrassé très vite un jour dans l'enthousiasme d'une séance de travail. Vous vous mariez le 3 mars 1924. Vous vous installez à New York.
Sonia Green est joyeuse et vivante. Elle a un peu plus de 40 ans et vous en avez 34. Elle est divorcée et elle est juive. Samuel Loveman aussi est juif. Et vous, Lovecraft, l'antisémite lointain, vous entrez dans ce nouveau monde avec aisance. Les juifs ne vous dérangent pas tellement dans le concret. Vous savez qu'ils sont capables de s'intégrer, c'est-à-dire de devenir complètement invisibles. C'est ce que vous attendez d'eux. Votre antisémitisme, c'est plutôt votre haine du christianisme. Vous détestez Jésus d'avoir substitué une religion mièvre et pleurnicharde au glorieux culte du monde païen. Mais New York est là. À New York, vous découvrez avec émerveillement l'antique Babylone dont vous rêviez depuis toujours, dont vous rêviez enfant quand vous disiez toutes ces choses incroyables. « Je suis un païen romain. » Vous le disiez. En arrivant dans la ville, je l'avais aperçue dans le crépuscule, du haut d'un pont s'élevant majestueusement au-dessus de l'eau. Ses pics et ses pyramides incroyables se dressaient dans la nuit comme des fleurs. Teintées par les brumes violettes, la cité jouait délicatement avec les nuages flamboyants et les premières étoiles du soir. Puis elle s'était éclairée fenêtre après fenêtre, et sur les flots scintillants où glissaient des lanternes oscillantes et où les cornes d'appel émettaient d'étranges harmonies, le panorama ressemblait à un firmament étoilé, fantastique, baigné de musique féerique. Il paraissait posséder toutes les merveilles réunies de Carcassonne, de Samarcande, de l'Eldorado et de toutes les cités glorieuses et fabuleuses. Le personnage, vous, Lovecraft, dans les rues de New York, respirant l'air de New York. Il faut croire que tout est possible. C'est chez Sonia que la petite bande du journalisme amateur se réunit. Votre découverte de New York, c'est aussi la découverte de ces inconnus devenus des amis au fil de la correspondance. Vous rencontrez Samuel Loveman et Dwyer, Derlett plus tard, Robert Howard qui pense peut-être déjà à Conan le barbare. Après les réunions, le petit groupe dévale l'escalier et se jette dans la rue à la découverte de New York. C'est très joyeux. Tout est joyeux et plein d'entrain. Et vous vous faites exactement comme si de rien n'était, comme si ça allait de soi. Vous êtes complètement guéri, si ça se trouve. À New York, tout le monde écrit, et mal, bien entendu. Il faut corriger, réécrire. On a besoin de nègres. En anglais, on appelle ça « ghostwriting », écrivain fantôme. Ça ne rapporte pas grand-chose, évidemment. Et même vos textes publiés ne rapportent pas grand-chose. Weird Tales pay 1 cent, le mot. Il serait raisonnable, vous le savez, de faire dans le réalisme, avec des relations humaines, des sentiments, des problèmes quotidiens. Les gens aiment ça. Mais vous, vous dites, je ne pourrais jamais fabriquer ce genre de soupe, quand bien même ma vie en dépendrait. Le problème, bien entendu, c'est que votre vie en dépend, justement. Mais vous n'arrivez pas à vous intéresser vraiment à l'argent, de toute façon, ni à votre vie, d'ailleurs. Heureusement, Sonia gagne sa vie pour deux. Elle est gérante d'un magasin dans la 5e avenue. Entre juin et octobre 1924, vous entendez parler d'un emploi de critique à la revue The Reading Lamp et d'un emploi d'attaché permanent à la rédaction de Weird Tales, et d'un poste de rédacteur en chef de Ghost Stories, mais toutes ces chances vous échappent l'une après l'autre. New York est une ville débordante d'énergie et de mouvement. Des choses arrivent tout le temps, comme la lettre de licenciement de Sonia. Elle doit quitter New York. Elle trouve une place intéressante, mais dans une autre ville. Elle vous a acheté des vêtements neufs avant de partir. Chère Sonia, qui pense à tout. Vous restez seul.
my coming to New York had been a mistake. Il apparaissait que ma venue à New York avait été une erreur. Là où j'avais cherché émerveillement et inspiration, je n'avais découvert qu'un horrible sentiment d'oppression qui menaçait de me dominer, de me paralyser, de m'annihiler. Une multitude de gens se déversait dans ces rues qui ressemblaient à des canaux. C'étaient des étrangers trapus et basanés, avec des visages durs et des yeux étroits. Des étrangers rusés, sans rêve, et fermés à ce qui les entourait. Ils n'avaient aucun point commun avec l'homme aux yeux bleus de l'ancien peuple des colons, qui gardait au fond du cœur l'amour des prairies verdoyantes et des blancs clochers de la Nouvelle-Angleterre. Réactionnaire, vous, Lovecraft, vous l'avez toujours été. Cela veut dire que vous croyez que c'était plus beau et plus vrai avant, et que tout changement nous éloigne de cette beauté et de cette vérité. Vous détestez le changement en tant que tel, vous le dites. Et vous êtes raciste aussi, bien sûr. Un jour, vous parlerez de votre détestation des italo-sémitico-mongoloïdes. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais ça, vous l'avez déjà dit. Ce n'est pas la réalité qui vous intéresse, ce sont les rêves. Dans les stations balnéaires du Sud, on ne permet pas aux nègres d'aller sur les plages. Pouvez-vous imaginer des personnes sensées en train de se baigner à côté d'une meute de chimpanzés graisseux? La personne sensée, c'est vous, bien sûr. Tous les gentlemen aux yeux bleus sont sensés et donc racistes. Vous êtes un salaud d'une espèce très conventionnelle, au fond. La peur et la haine s'emparent de vous. Jusqu'à ce jour encore lointain de 1937, où vous serez soudainement traversé par la vérité. En attendant, en 1925 à New York, le temps vous bouscule et vous êtes seul. Où est votre grand-père, Phillips? Mort depuis longtemps, tandis que le temps et les courants d'air s'engouffrent dans de méchants appartements de plus en plus petits, mais tous pareils. Où est Sonia tandis que les factures de gaz, d'électricité et de loyer s'accumulent? Parti pour Cincinnati ou Cleveland, puis installé à son compte, puis retiré dans une maison de repos après sa faillite. Et vous, le personnage, où êtes-vous lorsqu'une certaine nuit de mai 1925, des inconnus venus de l'extérieur, des cambrioleurs surgissent silencieusement et volent les costumes neufs achetés par Sonia? Où étiez-vous? Retiré dans vos rêves? Dans vos rêveries, au moins, le temps ne passe pas. C'est là que vivent les écrivains fantômes, dans les rêves des livres qu'ils n'ont pas encore écrits. Maintenant, vous commencez à disparaître. Vous dites... Ce qu'un homme fait pour gagner sa vie présente peu d'intérêt. C'est en tant qu'instrument réagissant à la beauté du monde qu'il existe. Je ne demande jamais à un homme ce qu'il fait. Ce qui m'intéresse, ce sont ses pensées et ses rêves. En avril 1926, vous jetez l'éponge. New York et la vie vous ont mis KO. Comme Ward, le héros du roman que vous écrirez l'année prochaine, vous rentrez à Providence. Vaincu. Sauvé. Quand le véhicule, au terme d'un après-midi ensoleillé, entra dans Providence en suivant Elmwood Avenue, le cœur de Charles Ward se mit à battre violemment.
Il vit au-dessous de lui les maisons, les dômes et les clochers de la vieille ville, baignés dans la lumière du crépuscule. Devant ce spectacle, le jeune homme se sentit plein d'amour pour l'antique cité de Providence. C'étaient les forces mystérieuses de sa longue histoire qui avaient fait de lui ce qu'il était, qui l'avaient entraîné en arrière vers des merveilles et des secrets auxquels nul prophète ne pouvait assigner de limites. Whose boundaries no prophet might fix. A taxi cab whirled him through post office. Un taxi l'emmena à toute allure en direction du nord et s'arrêta enfin devant le porche de la grande maison de briques où il était né. Le soleil allait disparaître. Charles Dexter Ward était de retour au logis. Charles Dexter Ward had come home. Mais chaque nuit, de mauvais rêves vous ramènent dans l'appartement maudit. Et des remords. Sonia. Votre divorce est prononcé en 1929. Sonia était un ange. Vous aussi, vous êtes un ange. Mais il y avait trop de choses contre vous. Sonia ne gardera qu'une seule de vos lettres. Celle où vous écriviez « L'amour réciproque d'un homme et d'une femme est une expérience de l'imagination ». Ce qui n'est pas de l'imagination, ce sont les passions affreuses que New York vous a apprises. La peur, la haine, une haine inextinguible. C'est à cela que vos rêves vous ramènent, nuit après nuit, et c'est à cette source affreuse que vous allez puiser assez d'énergie pour construire une œuvre gigantesque. Les choses organiques qui hantent cet affreux cloaque ne sauraient, même en se torturant l'imagination, être qualifiées d'humaines. C'étaient des monstrueuses et nébuleuses esquisses du pithécanthrope et de l'amibe, vaguement modelées dans quelques limons puants et visqueux résultant de la corruption de la terre, rampant et suintant dans les rues crasseuses, entrant et sortant des fenêtres et des portes, d'une façon qui ne faisait penser qu'à des vers envahissants ou à des choses peu agréables, issues des profondeurs de la mer. Ces choses où la substance dégénérée en fermentation gélatineuse dont elles étaient composées avaient l'air de suinter, de s'infiltrer et de couler à travers les crevasses béantes de ces horribles maisons. Et j'ai pensé à un alignement de cuves cyclopéennes et malsaines, pleines jusqu'à déborder d'ignominies gangrenées, sur le point de se déverser pour inonder le monde entier dans un cataclysme lépreux de pourriture à demi liquide. Ce n'est pas un roman, c'est une lettre. Vous êtes en train de décrire la population immigrée du Lower East Side telle que vous la voyez. Maintenant, vous savez qu'il n'en faut pas plus, un équipement sensoriel en bon état. Le reste, les sentiments, c'est de la littérature, comme on dit. La vérité de l'amour, c'est la physiologie, un simple échange de flux corporels. Des matières, il n'y a rien d'autre, inutile de chercher. Un monde dont la vie n'est qu'une variété de la mort. Un vrai matérialisme, mais dépressif. Il ne vous reste que 10 ans. Ce sera suffisant pour tout écrire, pour faire de vous celui que le monde connaîtra sous le nom de Lovecraft. Vous devenez le maître de l'imagination des matières, plus fort qu'Edgar Poe. Vous créez une langue précise comme celle de la science, une langue qui n'existait pas avant vous. Leurs corps vaguement anthropoïdes se terminaient par une tête de poisson aux yeux saillants et toujours ouverts. Sur le côté de leur cou s'ouvraient des ouïes palpitantes et leurs longues pattes étaient palmées. Ils avançaient par bonds irréguliers, tantôt sur 2 pattes, tantôt sur 4. Leur voix croassante, qu'ils utilisaient nettement pour un langage articulé, avait toutes les nuances d'expression dont leur visage était dépourvu. C'est dans la terreur et la haine que vous trouvez cette puissance de description. C'est sans doute regrettable. Mais chez vous, Lovecraft, ce sont des auxiliaires plus efficaces que l'amour et la confiance. Vous reprenez tout à zéro. Vous retrouvez les tout premiers dieux, les anciens, une mythologie complète. Tout est dans le Necronomicon, l'antique traité de l'arabe dément Abdul al-Azred. Leurs noms et les formules qui permettent de les invoquer. On ne les voit pas, mais eux nous regardent.
Les anciens ont été, les anciens sont encore, les anciens seront toujours, non point dans les espaces connus de nous, mais entre ces espaces. Yog-Sothoth connaît la porte. Yog-Sothoth est la porte. Yog-Sothoth est la clé et le gardien de la porte. Le passé, le présent et le futur ne font qu'un en Yog-Sothoth. All are one in Yog-Sothoth. Il sait où les anciens se sont frayés passage au temps jadis. Il sait où ils se frayeront passage dans le temps à venir. Il sait les endroits où ils ont foulé le sol. Par leur odeur, les hommes peuvent parfois déceler leur présence. Mais nul homme ne connaît rien de leur aspect autrement que par les traits de ceux qu'ils ont engendrés parmi les mortels. Tout est prêt maintenant. Le passé, le présent et le futur, enfin récapitulés. L'ensemble du temps, arrêté. Vous êtes un salaud d'un genre très conventionnel, mais vous êtes aussi maintenant un grand artiste. C'est-à-dire que pour finir, vous vous laissez traverser par la vérité. Cette vérité, c'est celle de l'affaire Charles Dexter Ward, qui est peut-être votre plus beau récit. Vous êtes Ward. Vous partagez son goût des généalogies oubliées, son amour de votre terre natale. Les médecins ne sont pas d'accord en ce qui concerne le début de la démence de Ward. L'éminent docteur Lyman de Boston le situe en 1919-1920. À cette époque, il entreprit des recherches minutieuses dans les archives municipales et les anciens cimetières pour retrouver une tombe creusée en 1771, la tombe d'un de ses ancêtres, Joseph Curwen. Mais le docteur Willett prétend que sa folie n'a pas commencé à cette époque. La démence véritable vint quelques années plus tard, quand Ward eut trouvé le portrait et les papiers de Joseph Curwen. Quand il eut effectué un voyage en pays lointain et psalmodié des invocations effroyables dans d'étranges circonstances. Curwen, s'il faut en croire les légendes, les rumeurs et les papiers découverts par Ward, était un homme énigmatique qui inspirait une horreur obscure. Il avait fui Salem pour se réfugier à Providence au début de la grande persécution des sorcières. Joseph Curwen, mort sur le bûcher à la fin du XVIIe siècle, était un puissant sorcier. Avec le portrait derrière les boiseries, il a pris la précaution de laisser la recette alchimique de sa résurrection. Vous croyez avoir découvert le portrait d'un lointain ancêtre. En vérité, du bord extrême d'un âge enseveli, c'est le portrait qui vous attendait, Curwen, qui attendait l'heure de sa résurrection pour vous assassiner et prendre votre place. Votre récit sait déjà que derrière la nostalgie des origines de Ward, une autre vérité se cache. Cette vérité, c'est la férocité universelle, le meurtre. On peut appeler cela hérédité si l'on y tient. Mais l'important, c'est cette chose féroce qui nous guette, tapie dans l'ombre du temps et qu'il vaudrait mieux laisser dormir. Un personnage fort étrange nommé Charles Dexter Ward a disparu récemment d'une maison de santé près de Providence, Rhode Island. Les médecins s'avouent complètement déconcertés par son cas, car il présentait des bizarreries physiques autant que psychologiques. En premier lieu, le malade paraissait beaucoup plus vieux qu'il ne l'était. À vrai dire, les troubles mentaux vieillissent très vite ceux qui en sont victimes. Mais le visage de ce jeune homme de 26 ans avait pris une expression subtile que seuls possèdent les gens très âgés. En second lieu, ses fonctions organiques montraient un curieux désordre. Il n'y avait aucune symétrie entre sa respiration et les battements de son cœur. Il lui fallait un temps incroyablement long pour digérer. Ses réactions nerveuses aux stimulants habituels n'avaient aucun rapport avec toutes celles pathologiques ou normales que la médecine pouvait connaître. Sa structure cellulaire semblait exagérément grossière et lâche. Tous les médecins s'accordent à dire que le métabolisme du sujet avait été retardé d'une façon extraordinaire. Vous êtes conservateur et raciste, mais vos œuvres, elles, sont traversées par la vérité. Elles disent des choses que vous ignorez. Elles disent que le désir de se confondre avec ses propres origines, le désir de récapituler le temps conduit à la destruction et à la mort.
La vérité du passé, c'est le meurtre. La passion du passé, une maladie. Ce sont des choses que vous ignorez jusqu'à ce jour de 1937 où la lumière change subitement et révèle le sens de toute chose. Une voix vous parle, elle dit « ça se développe rapidement, comme certaines plantes. Il faut se battre, chaque jour compte, si vous voulez vivre. » Mais vous n'écoutez déjà plus, ces choses n'ont pas de secret pour vous. Qu'ils appellent ça cancer si ça leur chante. On peut bien donner aux choses le nom qu'on veut. C'est quand même la syphilis qui a emporté votre père à l'âge de 44 ans, une maladie héréditaire. C'est quand même la folie qui a emporté votre mère, en épaississant encore le silence dans la maison d'Angel Street. C'était là depuis toujours. Le passé est une maladie. Maintenant, vous, le personnage, Lovecraft, vous souffrez beaucoup physiquement. Tout le monde le sait. Votre endurance et votre courtoisie vous attirent l'admiration des médecins et surtout des infirmières. À présent, vous voyez tout. Vous qui aviez peur de tout, depuis toujours, vous qui n'ouvriez pas la porte tellement vous aviez peur, vous découvrez maintenant que le danger était en vous. À l'intérieur, pas dehors, dedans. Mais la grande forêt rouge n'a pas de secret pour vous. Vous dites, je suis la dernière branche. Et les coups cessent. Les coups de la vie cessent le 15 mars 1937. Vous avez 46 ans. Vous mourrez sans une plainte, ni un regret. Mais vous n'aimiez pas ça, la vie, de toute façon.